Bon alors on dit quoi? Ah, je suis gavée contente. Là, là, hein. Là, là, maintenant. Là, la santé, là. Moi, c'est bien, tu vois. Je suis bien aimée. Je rends la grâce à Dieu. J'espère que vous allez bien. Oh, ça me fait bizarre quand je parle comme ça. J'espère que vous allez bien. Que tout le monde se porte bien. Des fois, ma soeur, elle fait ça. Oui, comment tu vas? Ça va? Bien, et toi? La trop quand elle fait ça. Et puis la dame. On dit quoi, my love? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit haul capillaire. Et c'est un petit, vraiment. J'ai fait quelques petits achats. Je sais, j'abuse. Mais c'est ma passion, c'est mon kiff. Les cheveux, c'est ce dont j'aime m'occuper. Et puis, j'ai une enfant qui a les cheveux longs aussi. Donc, il me faut des produits capillaires. Après, je ne vous dis pas d'aller acheter la même chose, de faire la même chose, d'être une product junkie. Pas du tout. Les deux premières années, franchement, un an et demi, la première année, vraiment complète de mon aventure capillaire, j'ai vraiment bien résisté. Et l'année dernière, ça a été un tout petit craquage. Et là, ça fait un an, donc j'ai racheté des produits au bout de un an. Donc en soi, je ne suis pas tant une product junkie que ça, parce que j'attends quand même d'utiliser le maximum de produits avant de racheter. Je ne suis pas en train de me justifier, c'est mon argent, c'est ma maille, j'ai fait ce que je veux, ok? Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette vidéo, welcome! D'abord, premièrement, pour commencer, welcome! Soyez les bienvenus! N'hésitez surtout pas à vous abonner. Si jamais le contenu vous plaît à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton qui est ici, à liker la vidéo et à la partager bien sûr à la planète entière. Oui, je suis extrême. Et puis je t'ai dit, je suis bien. Donc je vais être extrême aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en tout cas, c'est parti. On va commencer tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai acquis récemment. Je vais commencer par des trucs vite fait, tu vois. J'ai acheté ceci et ceci. Ce sont les Got To Be de chez Schwarzkopf. Donc la glue liquide et le spray. Voilà, Blasting Freeze Spray et Water Resistant Packing Glue pour pouvoir coller mes laces frontales, etc. Et tester un petit peu. Je n'ai jamais collé aucun lace frontal. Aucune de mes perruques, je ne les ai jamais collées. J'ai beaucoup entendu parler de ces deux produits-là, il paraît qu'ils fonctionnent bien. Il y en a beaucoup qui m'ont recommandé aussi le Got To Be, le noir, mais il n'était pas disponible, enfin chez le vendeur auprès duquel je voulais ce produit-là, il n'était plus disponible. Donc j'ai pris le jaune et puis je testerai le noir, on verra si celui-là est bien ou pas, etc. quoi. Ah oui, je les ai commandés sur Amazon. Ensuite, j'ai été chez Monoprix et oui, j'ai décidé de tester des produits drugstore, des produits capillaires qu'on trouve à proximité de chez nous et d'arrêter de commander tout le temps comme ça. Donc, je vous ai fait un petit, c'est pas un sondage, je vous ai posé la question simplement sur Snapchat, je vous mets mon snap juste ici. Je vous ai posé la question sur Snapchat si vous connaissiez les produits de la marque Maui. Voilà, et vous avez été très très nombreuses à me dire que vous les aviez testés, vous avez aimé ou un peu moins, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé de vous faire la revue, le test sur mes cheveux. Donc j'ai pris cette gamme là, je vous avoue que franchement j'ai hésité, et quand je dis j'ai hésité bien 20 minutes, mais montre en main, j'ai vraiment hésité 20 minutes. Il y avait plusieurs gammes qui étaient complètes, et moi je voulais tester une gamme complète, je voulais pas tester juste un seul produit, je voulais tester une gamme avec... shampoing, conditionneur et masque. Le seul souci, c'est que ces gammes-là ne proposaient pas ce que moi je recherche, c'est-à-dire hydrater, démêler et adoucir. Et celle-ci le propose. Par contre, celle-ci n'est pas livrée, je crois pas qu'il y ait de masque profond avec cette gamme-là, qui est la masque... Bon, là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Qui est la gamme Coconut Milk. Donc, elle contient du lait de coco. Si vos cheveux sont sensibles à la protéine, etc., je vous la déconseille sincèrement. Moi je vais tester, mes cheveux n'ont pas de problème avec l'huile de coco jusqu'à preuve du contraire, que le Seigneur me garde, ça n'a qu'à continuer comme ça. Donc j'ai décidé de tester ça. Elle contient donc du lait de coco crémeux, de l'huile de goyave et du beurre de mangue entier. Je crois que c'est du beurre avec la noix de mangue, genre le noyau de la mangue, un truc comme ça. Donc j'ai décidé de tester ça, je vous ferai la revue. Vous me dites si vous voulez une vidéo détaillée ou si vous voulez juste que je vous en parle dans les produits favoris, vous me dites comme ça, je vous montre en direct ce que ça donne sur mes cheveux. J'ai pris que deux produits, donc comme je vous disais, parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de produits coiffants non plus. J'ai été regarder un petit peu sur Amazon et j'ai pas trouvé de masque non plus. Donc je pense que pour cette gamme là, il n'y avait que ça comme produit, alors que les autres gammes comprenaient trois produits. Je me suis penchée sur cette gamme là et celle-ci était complète, mais comme j'avais ces deux là que je voulais pour démêler, etc., j'ai pris celui-ci qui est le Maui Moisture Coconut
oil cette fois-ci, donc c'est à base d'huile de coco. C'est un smoothie, donc curl smoothie. C'est un produit coiffant en fait. Et ils vous disent qu'ils sont faits avec 100% de jus d'aloe vera en tant que premier ingrédient. Donc il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit sur Snapchat que la composition n'était pas clean clean et que c'est pour ça que vous ne vous en serviez plus et que vous aviez donné, je crois qu'il y en a une qui m'a dit même qu'elle a donné les produits à un de ses proches, etc. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas très picky sur mes ingrédients, donc si ça fonctionne sur mes cheveux, bah je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Si ça ne fonctionne pas, je les donnerai. Je ne vais plus jeter les produits. Vous m'avez dit dans les commentaires d'une de mes vidéos de ne plus jeter, donc je ne jetterai plus, je les donnerai à mes petites sœurs ou autres. D'accord. Ensuite, je ne sais pas si j'ai déjà filmé cette vidéo ou pas encore. Si jamais j'ai déjà filmé la vidéo revue, elle sera là dans le petit carton. Et si c'est pas encore fait, je vous annonce que j'ai acquis le Air Food à la noix de macadamia. Bon, attends, je t'explique. Attends. J'ai mis un bémol sur celui à la papaye. Mais j'aime tester les produits. C'est comme ça, ok? Il y en a qui achètent de la drogue, il y en a qui achètent de l'alcool. Moi, c'est les produits capillaires et le make-up. Ok. Donc du coup, j'ai pas pu l'empêcher. Je l'ai acheté dans mon supermarché. Je vous ai montré aussi ça sur Snapchat. C'était dans mon supermarché de proximité, un Carrefour Market, un truc tout bête comme ça ici. Il y en avait plein. Il y avait ça. Celui-là, la banane aussi. Banane là, il me tente pas pour l'instant. Ça me tente pas. Beaucoup d'entre vous me disent, prends celui-là, la banane. Tu vas voir, tu vas aimer l'odeur même. Me donne envie de vomir. Je mange la banane plantain, mais le fruit banane, I can't. I just can't. Tu sais. J'aime pas en fait, donc rien que l'idée même de la banane dans mes cheveux. Pourtant j'en mettais quand j'étais défrisée, je faisais des masques avec la banane. Laisse-moi te dire que l'odeur me soulevait l'estomac, ok? Mais je le faisais quand même pour tester sur mes cheveux. The girl is committed. Committed. Donc du coup j'ai pris celui-ci, masque lissant Air Food Garnier Macadamia, multi-usage pour cheveux secs et rebelles. Donc on va voir, surtout vous me dites si vous voulez voir une vidéo revue, sinon je vais tester et je vais en parler sur mes réseaux, sur Snapchat ou sur Instagram. Voilà, je n'aurai peut-être pas forcément besoin de vous faire une vidéo, donc si vraiment vous voulez une vidéo qui vous permettra de comparer les résultats sur mes cheveux par rapport au masque à la papaye, vous me le dites dans les commentaires. À suite. J'ai passé une petite commande sur le site beautéprivée.com parce que j'ai testé, alors je vais essayer de le trouver, le produit dont on parle. C'est le dernier bien sûr. J'ai testé ce leave-in là, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Ce leave-in, c'est la marque Organicare. J'ai testé ce leave-in à la kératine il y a quelques semaines de ça. Et il a révolutionné mes cheveux. Au sens propre du terme, vraiment. Quand ma cousine m'en a parlé, on s'est revu un week-end sur Paris, elle l'avait emmené en fait pour hydrater ses cheveux, et je lui ai dit, tu peux me donner s'il te plaît, je voudrais bien tester, donc elle m'a donné sa bouteille, elle m'a donné son flacon. Je m'en suis servie le lendemain soir, j'ai hydraté mes cheveux, je ne reconnaissais pas mes cheveux le lendemain, je me suis dit, c'est pas possible, il me le faut dans ma life, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, quand il y a eu une nouvelle vente privée sur le site beauté privée, attention hein, c'est une vente privée mais c'est une vente en fait, sur le site beautéprivée.com, elle m'a envoyé un petit SMS, Organicare dispo, beauté privée, trois mots, enfin trois expressions, j'ai dit yes, je suis partie directement, elle a fait sa commande, elle en a commandé 4 pour elle, de celui-là, elle m'a envoyé la photo, je sais pas si j'ai la photo, je vais vous la mettre quelque part, elle en a commandé 4 pour elle, moi j'en ai commandé qu'un seul parce que j'ai le sien et il y en a d'autres que je voulais tester, donc j'ai pris ce leave-in là qui arrive directement à la deuxième place pour le faire, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus du leave-in de chez, le leave-in de chez Cantu. Je sais pas si vous comprenez le truc, je sais pas si tu entends, est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu entends ce que je te dis? Oh, m'a révolutionné mes cheveux, j'aime trop. Avec ça, j'ai pris d'autres produits de chez Organicare. J'ai pris, alors à la macadamia, à la noix de macadamia, j'ai pris un conditionneur et un leave-in conditionneur pour les tester tous les deux avec donc des ingrédients certifiés organiques, etc. Huile d'argan et huile de macadamia. Il n'y avait pas le shampoing de cette gamme-là, sinon je l'aurais pris pour le tester aussi. Mais en soi, c'est pas bien grave. Les shampoings, c'est bon, je pense que ça commence à aller là. Ça va aller. Donc j'ai pris ces deux produits-là. Si jamais vous les avez déjà testés, dites-le moi dans les commentaires parce que je n'ai pas encore testé ces deux produits-là. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai aussi commandé celui-ci. C'est un conditionneur. Donc là, cette fois-ci, c'est argan et beurre de. Argan et beurre de karité, c'est toujours pareil, on reste dans la marque Organicare. Donc je vais tester. Là par contre c'est un conditionneur, donc c'est-à-dire que c'est, je vais vous référer à la vidéo que j'ai filmée ici, la différence entre conditionneur, masque et leave-in. J'ai fait une vidéo, il y a un petit carton, faut mettre cette vidéo là sur pause,
cliquer, aller écouter et puis après revenir. Donc j'ai pris le conditionneur de cette gamme là on va dire, je vais le tester. Il était tout seul, il n'y avait pas de shampoing, il n'y avait pas autre chose, donc j'ai pris juste celui-là. Et l'avantage d'avoir tous ces conditionneurs là, c'est que comme l'été est en train d'arriver, je fais beaucoup de co-wash sur les cheveux de ma fille. Donc ça c'est des trucs, enfin si vous avez vu ses cheveux, ça la moitié c'est un lavage hein. Sur ma fille, ça c'est un lavage la moitié. Donc clairement ça donne l'impression que je commande beaucoup de produits comme ça, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de matière en fait à entretenir. Donc comme j'ai pas l'intention de laisser les cheveux de ma fille se détériorer totalement, ben ça va avec. Et pour finir, chez Organic Care, j'ai commandé ce produit-là. C'est un masque. Et j'étais trop contente de trouver un masque de chez Organic Care, donc je vais le tester. C'est un masque pour les cheveux bouclés, for curly hair. Donc je me suis dit, peut-être ça peut me correspondre, on va tester, on va voir. Si ça ne me correspond pas, je vais tester sur ma fille parce que de toute façon elle a les cheveux bouclés, donc l'une ou l'autre. Enfin, l'un dans l'autre, je sais pas quoi. L'un dans l'autre. Mais c'est ce que j'ai dit. c'est la même famille que celui-ci en fait. C'est à l'huile d'argan et au beurre de karité. Donc là c'est le conditionneur et là c'est le masque. Je vous ai dit qu'il n'y en avait pas tout à l'heure. J'ai dit qu'il n'y en avait pas. Ben voilà, il est là. Donc j'ai pris le masque de cette ligne là et je vais tester. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors attends, par contre, j'ai pas encore. Ouh oui. Fuck. Ça sent trop bon, ça sent léger, ça sent le propre, ça sent l'huile d'argan et très légèrement le beurre de karité. C'est pas écœurant en termes d'odeur de beurre de karité, donc franchement, et c'est un masque très épais. Hein. Ça peut même pas couler. Ça peut même pas couler un peu. J'ai beau appuyer comme ça coule pas. Ah, peut-être que ça coule même pas. Ouais, il faut attendre longtemps quoi. Mon gars, j'ai pas le temps. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, c'est pas un produit que j'ai commandé, c'est un produit qu'on m'a ramené, qu'on m'a offert. Merci à mon bébé, ma doudou. Tu te reconnaîtras, je sais pas si je peux dire ton prénom, je sais pas si tu veux que je dise ton prénom, si je dis pas. En tout cas, ma doudou, toi et moi, on est ensemble. Elle est partie aux États-Unis. Elle a fait un petit tour aux États-Unis. Elle m'a envoyé un message pour me demander si j'avais besoin de trucs. Donc au début, je cherchais dans les produits de make-up et tout. Je lui ai dit que je voulais tester tel produit de make-up et tout. Et elle trouvait pas. Donc elle m'a dit, et capillairement parlant, qu'est-ce que tu voudrais? Quand je te dis que vraiment, j'ai cherché, c'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, bon, à quoi est-ce que j'ai pas accès ici, tu vois? Et j'ai cherché loin, j'ai vu dans les trucs Airfinity, les machins, on peut commander, je sais, mais bon, elle était là-bas, je sais, c'est pas ça, on peut les avoir en France, c'est juste qu'elle était sur place et je réfléchissais à un truc que je pouvais pas avoir, genre, immédiatement. J'ai réfléchi. On a mis, et je me suis dit, qu'est-ce que mes cheveux aiment? Quelle est la marque que mes cheveux aiment? Et j'ai pensé automatiquement, tout de suite. Cantu. Elle m'a envoyé un snap, elle m'a dit, bon, je suis désolée, j'ai plus trouvé que ça et tout, je t'ai pris que deux. Parce qu'en fait, c'est des produits capillaires, donc ça reste quand même lourd, tu vois. Donc tu vas pas la surcharger dans la valise et tout, machin. Elle m'a pris la nouvelle gamme TXTR de chez Cantu. I'm out of here. Comment est-ce que je peux t'expliquer? Comment est-ce que je peux vous expliquer si vous connaissez mes cheveux, si vous connaissez mon parcours un petit peu depuis 2 ans que je suis naturelle? Cantu et moi, c'est une histoire d'amour. D'ailleurs, si Cantu pouvait en profiter pour me passer un petit coup de bigot ou un petit mail pour me dire quels sont les produits que tu voudrais qu'on t'envoie. Parce que oui, je vous fais de la publicité, là, je suis désolée, mais sincèrement, oui, ça fait 2 ans que je parle de vous. Donc, on n'a qu'à faire en sorte que... D'ailleurs, moi-même, je vais leur écrire un message pour leur dire que c'est pas normal. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas normal. Je vais vous contacter directement. Alors, je ne sais pas si cette gamme... La nouvelle collection est sortie en France. Je ne sais pas où vous pouvez vous la procurer. Moi, j'aurais cherché sur Amazon ou j'aurais été chercher sur Google et j'aurais commandé. Elle était sur place, elle me les a pris. Elle m'a pris le premier, c'est le Defining Cream, donc pour les boucles qui lissent et qui définit vos boucles, sans silicone, sans parabène. Et elle m'a pris le Leave-In et Rinse Out, donc Hydrating Conditioner, qui hydrate et qui adoucit les cheveux. Sleek pour lisser, enfin pour, on va dire, pour gainer, pour adoucir, et treat pour traiter. C'est que quand on m'a envoyé le snap, j'étais bête. Il devait peut-être 2h du matin, parce qu'on était en décalage. 2h du matin, je dormais pas, bien sûr. D'où les cernes. Et quand j'étais bête, j'étais comme une gamine. J'étais comme une gamine, laisse tomber. Ça sent trop, mais quand tout... J'aime trop Cantu. Vous savez quoi, vous devez aller. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez sur la page Instagram de Cantu et vous leur mettez le lien de mes vidéos pour leur dire que quand même il y a une go qui vous aime ici dehors. Il vous aime. J'adore.
J'ai trop hâte de tester ça. Je vais pas faire une vidéo first impressions, je pense pas. Parce que si jamais je suis déçue, je vais pleurer dans la vidéo. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que c'est comme si c'était ton cas. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, ride or die. Ça fait 2 ans. C'est comme si c'était ton gars, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble et tout ça. Et puis tout d'un coup comme ça, bah, le gars oublie c'est quoi ton plat préféré ou ta boisson préférée. C'est moi, tu me déçois comme ça fait 20 ans qu'on se fréquente. 20 ans, tu sais plus c'est quoi ma boisson préférée. Et les meufs, on pète des câbles pour rien des fois. Pour rien du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si jamais vous avez testé ces produits-là, si vous les êtes procurés ou parce que ça peut aider d'autres gens. En fait, dans les commentaires, il y en a certaines qui lisent, qui répondent et ça peut aider d'autres gens, pas que moi, mais aussi d'autres personnes qui regardent mes vidéos. Donc franchement, si vous avez trouvé ces produits-là ailleurs et moi je sais pas où, mettez-le dans les commentaires, ça me ferait vraiment très très plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner bien sûr, parce que pourquoi tu fais ça? Tu viens, tu regardes la vidéo, tu te barres sans t'abonner, franchement, clairement, c'est pas très gentil. Abonne-toi. Je vais aller danser. Laisse. Hey, je suis en train de vous parler comme ça, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête depuis 2 jours, ça fait 48 heures que j'ai mal à la tête. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo, my love. Je vous retrouve très très vite pour un... pas un nouveau haul, parce que je pense pas que je vais faire de nouveaux hauls. Là, c'est bon, je vais me calmer. Là, les seuls trucs, honnêtement, qui me manquent, c'est des co-haches. C'est-à-dire qu'il m'en manque au moins 2 ou 3 pour être sûr d'arriver jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre. 2 ou 3 gros flacons de co-wash, Eden Body Works et le SIM. Après, je crois que je serai tranquille, je ne vais plus rien commander, ça s'arrête là. Là, là, haul capillaire, là, vous n'allez plus avoir pendant un bout de temps. Sauf si on m'envoie des produits, là, c'est pas la même chose, comme vous savez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bon, et si jamais tu restes jusqu'à la fin et que tu veux les petits détails croustillants, je te les donne maintenant. Sache que mon highlighter, c'est un highlighter de chez Primark. Je vais mettre le nom là parce que je me rappelle jamais le nom. Il est trop magnifique. Sur les lèvres, aussi Primark. Parce que toute cette mise en beauté, c'est Primark. Lady in Red. Le petit bandana, c'est aussi Primark. Je suis en budget girl aujourd'hui. Le haut, c'est un haut de chez Boohoo. Non, Miss Gaiden. Voilà, donc là c'est un haut de chez Miss Gaiden. Mes boucles d'oreilles, ce sont celles de chez, je sais même plus, franchement c'est des crayons basiques. Et puis voilà quoi. Oh, et le... arrête de faire des trucs comme ça, de mettre la honte aux gens. Et le fond de teint, c'est aussi le fond de teint de chez Primark. Bref, j'ai une vidéo sur Primark. Je vous mets le lien juste ici, parce que vraiment cette mise en beauté, thank you Primark.